peut-être en fait avant toi alors. Ta gueule, toi. J'arrive fort. Je suis porte-parole de Soft ONG. C'est une association de soutien aux forces du territoire. Donc, on soutient les policiers et les gendarmes, entre autres. Et là, ce soir, en fait, on est là pour soutenir les Bleus parce qu'il n'y a pas assez de monde pour les soutenir. Les forces de l'ordre sont trop souvent bafouées. Et ils sont attaqués et finalement ils sont même pas soutenus par leur propre ministre. En fait, je comprends pas bien comment on peut dire aux policiers d'arrêter cette manœuvre sans même en proposer une autre à la place. Enfin, on se dit quand même pas que les policiers vont finir par arrêter les gens avec des fleurs. Quelqu'un qui est récalcitrant, en fait, ils ont plus aucune solution que de le laisser partir. En fait, ils ont plus d'autres solutions. Chaque fois qu'ils vont agir, on va leur demander de tout stopper. Mais je pense pas que la police soit raciste. La police, elle est raciste au même pourcentage, je pense, que le reste de la population. Il y a des racistes dans la population et pas plus dans la police. Et le plus important, c'est que la couleur de la police, c'est le bleu. Quand il y a eu des actes terroristes, il n'y a pas que des policiers. Il y a eu des policiers qui ont été tués. Et c'était pas que des policiers blancs. Il y a un policier blanc, un policier d'origine maghrébine et une policière qui était des Antilles. Donc c'est aussi bafouer la mémoire de tous les policiers qui ont été tués à ce moment-là. Thank you.
travaille la nuit, c'est beaucoup plus difficile qu'un collègue qui travaille le jour. Un collègue a 25 ans de nuit, et ben malheureusement, mathématiquement, il faudra moins longtemps qu'un collègue qui travaille le jour. Et pour ça, il faut un statut particulier avec des avantages particuliers. Les chantiers ont été ouverts, mais ils n'aboutissent pas. C'est bon, il faut qu'au moment, ça aboutisse. Et que le ministère, le président, on s'en fout n'importe quoi, mais que ça réagisse, qu'on soit entendu, et que les choses les avancent. Parce que sinon, on va rester mobilisé, et ça peut durer 4 ans. On est républicains, on fera pas d'actes illégaux, mais s'il faut arrêter d'interpeller, s'il faut arrêter de travailler, de sortir uniquement sur des missions, sur des choses très dangereuses, on fera. Mais voilà, là il y a un bras de fer, et vous savez que de toute manière, toute victoire, toute avancée sociale n'a jamais été octroyée par le pouvoir d'administration. Ça a toujours été le fruit d'un rapport de force et de lutte, et là nous sommes dans le combat. C'est pas avec une prime que les choses vont avancer. Là, on sent vraiment qu'il y a une colère qui est beaucoup plus forte que ce qu'elle a été. Il y a une mobilisation qui est, et c'est inédit, dans toute la France, dans tous les départements de France et d'outre-mer, et aussi à Paris, grande couronne pays de couronne, il y a une colère qui est monstrueuse, qui est très importante, et qui est beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir. Par expérience, je vous le dis. Donc voilà, là il y a le Rubicon qui est franchi, et nous attendons les actes du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Écoutez, donc, fait pas de politique. Si c'est pour que Castaner s'en aille et qu'on ait une pâle copie derrière qui fasse la même chose, non. Donc, de toute manière, le gouvernement, on parle de remaniement ministériel. S'il y a une charrette qui se fait, à mon avis, il y aura beaucoup de ministres qui vont prendre la charrette. Mais moi, je suis représentant du personnel, je fais pas de politique. J'ai mes idées, mais je garde pour moi, ça n'intéresse personne de toute manière. Alors, le droit de grève, on ne l'a pas. Je vous rappelle qu'on l'a perdu depuis 1948, semble-t-il. Mais nous avons d'autres moyens d'action, mais on ne va pas vous les dévoiler tout de suite. On va vous faire des surprises. Voilà, mais il y a des choses qui vont se faire, et des choses assez fortes. Mais par contre, toujours dans le respect de l'égalité. On est ici républicains.